Darren, t'es où là? Attends, tu le fais pour moi, Danny, d'accord? Il y a quoi dans cette balise? Tu aimes Jenny. Tu sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est toi le gars? C'est toi le deuxième gars? En fait, je suis la fille. Tu sais à quoi ressemble la fille au sac vert que je dois rencontrer? Je sais pas. Jamais ce qui vient de m'arriver. Je viens de laisser la mallette à la mauvaise femme. Il faut que tu m'aides. Attends, toi non plus t'auras pas tes 1 500 $. C'était pas sorcier, il y avait qu'à marcher le long du quai et échanger cette putain de mallette. C'est... Même un gosse de 8 ans. Tu vas la fermer, c'est bon. Tu me saoules, Russell. Je crois qu'on a un problème. Mais on a l'adresse où elle se trouve. Et toi, allez, dis-moi ton nom. Et tu vis avec quelqu'un? Je vis avec un Ricky. À une époque, j'ai eu un lézard qui s'appelait Ricky. Ouais, ça lui ressemble à ça. Il faut qu'on récupère la mallette. Et toi, tu m'as rien dit? Ouais, j'ai fréquenté une fille l'année dernière. Avec ce petit duvet qui ressemble à rien au-dessus de ta lèvre. Elle te plaît pas, ma moustache? Je suis chef custo. Moi non plus, je suis pas vraiment dans une situation facile. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Si j'ai l'argent, je pourrais quitter Pittsburgh. On ferait mieux de les laisser s'en occuper. C'est leur histoire, pas la nôtre. On n'a rien à voir avec ça. Je suis complètement fauchée. T'as une meilleure idée pour me sortir de cette merde? Non, alors ça en vaut la peine. Alors, t'en penses quoi? De quoi tu parles? Eh ben, de ma moustache. Je sais pas, ça t'allait peut-être mieux avant.